Natande yo mesa masan jori mon kondi yes masia. Nalambe yo masan jori. Kwe tebile na yo eza masan jori. Alleluia. Mokonji, tu veux que nous sommes collés à Ozana Poussambouma et à l'Okola dessert. Prenez un bouma molé manangaï, yangouis à la dessert. Oyo Kolia, Sikawa. Ok, l'angane lingi pena bokokani, boyo. Pote na lumba solo ya bonzambe, boyo. C'est là bien tes mots qui en assez tous ceux qui ah photo contient ma cour toi en as choisi et on te joue une absolue pousse les moyens les plus rapides toi qui en as pour que tu t'as facilement la bateau au salanga winda pété nangengisa mité mamitungisa mi loco la mungwa eko bate la kamusi na kopola Nga mungwa pwete bae bae soni pene na nga iba pola te Yesuwe, kole ki malamu mingi Yesuwe Masan joli, ebongi na yo Masan joli, ebongi na yo Yesuwe, masan joli, ebongi na yo Masan joli, ebongi na yo Que langa ne lilingi pena boko kani boyo Pete na lumba solo ya bonsambe boyo Masan joli e bongi na yo Esve Masan joli e bongi na yo Esve Masan joli e bongi na yo Nabikoza ba problème, nabikoza mitine bena motema na yo. Ngene biso songe la Yesu. Et toza ba déception mo mingo zole la. Voilà, mesdames, messieurs, chers internautes, fidèles de Kilongo TV, une chaîne à 100% sociale. Nous voici arrivés dans cet orphelinat de Seka Mamakala, dans le cadre toujours de faire ces gestes d'amour, comme nous recommande la Bible, visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. On est donc là arrivé à Makala. Bon, Ne a songi peut-être comme ah oui c'est moi bien toi na pasteur Kossi notre ami de tous les jours bonjour pasteur
Bonjour papa Rabi, ma fille. Toi ya bonanzela car ebo non okomati koto. Réalité à banzela mboka to sani mboka za biso. Moto ke komi na ngote to na chwate. Yo singa to sala kaka de mutuka a pusu to tina pusu to komi na biso. To komi na biso pe sans problème. To komi. Donc je suis là. Oh mon Dieu. Oh pardon bébé. Wa wa wa. Voilà, les enfants sont là, parce que nous avons un peu de temps. Et le bon moment, c'est ça. Oui, merci, tu es là, parce que ils ont mon papa, ils ont commandé la bisopé caca. À Talarbaï Match, ils ont la deuxième fois à confier un service, ton mission. À Talarbaï Match, ils ont touché, ils ont monté Mana et Osunga, ils ont à Lyon. Et à Sepelaki. Quand ça la PGS c'est la mon orphelinat, à travers les images de salaire monsieur sur orphelinat, tant tu regardes tout les caca, à ça qui touché, il y a ça qui quelque chose, il y a quelque chose à ça qui wana, avec le awapé, à ça la poste à payer le sambo et je pense qu'il y a un ensemble un peu pour naie, et ben de copier à ta mon orphelinat, on s'en attend au bas, vraiment pour un peu ensemble pour naie, pour le macambo, on a dansé ça. Ça c'est très bien, papa vous pouvez venir, pourquoi pour ça là, vous voyez que ben à bas ça moi est belé, bah si papa dit vous mettez un abisso, et à coco. Chaque fois et ça fait du bien comme ça. C'est bon. Voilà, le responsable est là. Bonjour papa. Bonjour. À chaque fois, toi, vous visitez Bino, toi, hôtel à Bino, ça, à Bino. Non, mais c'est un grand plaisir, hein. Un grand plaisir pour nous-mêmes et pour les enfants. Nous-mêmes, ça veut dire les personnels qui travaillent ici et pour tous les enfants de l'orphelinat. Vous devez savoir que les visites, nous en avons. Mais ce sont des rares visites. Et les enfants, ils sont habitués à voir les gens qui travaillent ici chaque jour. Mais ils sont heureux de voir les gens qui viennent de l'extérieur, de nouveaux visages. Et pour eux, c'est un plaisir. Un plaisir également parce que quand vous ne venez pas main vide. Vous venez avec quelque chose, avec un sac, avec un don. Et c'est un plaisir pour nous et pour les enfants aussi. Et donc la question, c'est pas grand chose, mais je sais que ça peut aider les enfants, même 2-3 jours, pour leur survie aussi. Mais c'est important. Et il y a un adage qui dit qu'un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Ce que vous faites, c'est un geste d'amour parce que, vous savez, la République démocratique du Congo a plus de 80 millions d'habitants et la ville de Kinshasa en a, je crois, plus de 12 millions. Et si on recevait, par exemple, 100 000 personnes qui pouvaient amener les dons ici, cette maison ne manquerait pas de la nourriture. Les gens n'ont pas cette culture de donner, mais à ceux qui s'efforcent, à ceux qui sont animés de bonne volonté, de venir déposer ne fût-ce qu'un sac de riz aux enfants. Vous voyez que vous avez aidé ces enfants-là à améliorer leurs conditions, à améliorer leurs habitudes alimentaires. Avec un sac de riz, ils ont une journée, ils ont gagné en une journée. Ils auront du repas, ils auront, la cuisine va fonctionner ces jours-là. Mais si vous n'amenez rien, les enfants n'auront rien, alors ils n'auront rien ça, à manger. Bien. Ça c'est bien, je pense que le message est passé. Mais la personne en question avait demandé la prière. Avant de vous présenter le paix que nous avons amené, je pense que nous allons d'abord commencer avec l'homme de Dieu. Parce que je pense qu'on va prier pour le paix que nous avons amené, prier pour la personne parce qu'elle a demandé aussi une prière. Et puis on vous présente le paix. Vous voyez déjà ce qu'on a amené, mais nous allons vous le présenter symboliquement. Ça fera du bien. Est-ce que vous pouvez rassembler les enfants? Vous allez dire quelque chose? Oh oui, ce que vous avez amené est important et c'est vraiment un besoin parce que la semence du maïs est vraiment consommée ici parce que les enfants en prennent. On prépare la bouillie. Il y a de l'huile,
Et autre chose importante, c'est le riz et le sucre. C'est important. La quantité pour nous, ça ne dit rien pour un don. Parce que vous ne savez pas la profondeur de la poche de la personne qui amène le bien. Et essentiel pour nous est de recevoir, et recevoir au nom des enfants. Et nous disons merci à celui qui a pensé à amener ses dons aux enfants. Et nous ne pouvons que dire merci au nom de tous les enfants de l'orphelinat Sekam. Merci, on peut prier. Les enfants peuvent s'approcher, prier ensemble avec nous. De sortir, mais nous pouvons faire une prière avec ceux qui sont là. Voilà. Nous pouvons aller vers le bas. Voilà. Allez. Bana, Bana. Tobonde là. Allez. Seigneur Dieu, tu puisses. Toi qui es le maître d'état des circonstances, le truc dans ta parole, c'est toi qui es le défenseur des veuves. Et les pères des orphelins, voici nous sommes dans cet orphelinat, Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, ta main puissante et c'est molama. Nakat orphelinat, pe na moto, oyo, saligesse, oyo. Nenge komama, na mukanda na proverbe chapitre 28, verset 27, que moto azo pe sapo na bato bazangi, ako zanga te, yako liya, pe ako kabukata mokolo monte. Que cette parole soit oui et amen dans la vie de mon frère. Ou à Zana Lyon, ou à Sali Geste d'amour. Seigneur, que ta bénédiction est sauve pendant le colonnaïe Jésus-Christ de Nazareth. Car il te quitte à ta parole, c'est toi qui donnes la semence au semeur pour s'aimer. Le véritable Dieu, le Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth, Zonisa Yako Leka, Eshika Oye Bimeli, Pebiloko Oye Pambolama, et Pambolesika Oye Souksi Kaukate, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, et j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Allez, Beta Maboko! Amen. Pesa symboliquement beaucoup responsable. Oui, la tasse sucre, voilà. Une remise symbolique. Là, Pasteur Kossi va remettre entre les mains du responsable. Et voilà. Sucre et puis de l'huile. Il va dire quelque chose. Mille merci à la personne qui a pensé aux enfants. Nous le remercions infiniment et nous pensons que le besoin est immense. Le besoin est immense et ce n'est pas la dernière fois, je pense. Et que ceux qui veulent unir leurs forces à la force du frère qui a pensé aux enfants, et tous vos dons seront le bienvenu. Nous vous encourageons et nous vous remercions infiniment. Et voilà, au nom de tous les enfants, au nom de toutes les personnes qui travaille ici à l'orphelinat Sekam, nous vous disons merci et merci infiniment. Merci beaucoup. Je pense que vous avez vu, il y a le sucre, il y a de l'huile, un peu de semoule et puis le riz. C'est ce qu'on a apporté pour les enfants. Il y a aussi les biscuits. Nous allons tenter de distribuer aux enfants ces biscuits. Je pense que ça leur fera du bien. Moi aussi, je suis un enfant. Je veux aussi manger aux biscuits. Allez, un à un. Un à un. Voilà, je veux aussi manger les biscuits. Là, je dis merci à Élisée Walesta, merci à Angèle Kinkela, merci à Fils Kinkela, merci à Papa Duval Kassongo, Papa Dominique Kiele, merci à Bella Dinganga, merci à vous tous qui aimez faire ce genre de gestes, merci vraiment à Coco Dema, merci à Fiston Bassende, FB International, Agence Assure, merci à l'homme de Dieu, le pasteur Kossi, merci à vous tous vraiment qui aimez ce genre de gestes, surtout aux orphelins. Surtout aux orphelins, n'hésitez pas à faire ça. Comme je le répète souvent, Jacques, chapitre 1er, verset 26, c'est la religion pure, sans tâche devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et voilà, pasteur, il y a un handicapé, hein, celui-là. Oui. Voilà. Moi aussi, on va me donner un biscuit. Il a son biscuit. Les enfants, je crois qu'ils ne sauront pas parler. Moi aussi. Ah, je vais manger en pleine émission. Je vais manger avec les orphelins. Ça fait du bien comme ça, je pense que vous avez vu. C'est un coquille au bombé, les missus, ouais, au bas-huité. Papa,
Voilà. Comme vous voyez, les enfants sont joyeux. Bazo Bukuta, moi biscuit. Bazo Bukuta, Bukuta, moi biscuit. Et celle-là, moi bien. Moi, c'est Singo. C'est mon orphelin, je suis Singo. Et ça a bien mingi. Pour l'instant, il y a beaucoup de biscuits. Mais Amélie Maï, à l'âge moins d'âme. Je suis un maman. Moko. Maman, eh? Tout ça, là, t'as moi, m'ke. Voilà, on sera là. La maman viendra. Bonjour, maman. Bonjour, frère. Vous êtes parmi les responsables alors, de cet orphelinat? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je m'occupe des nouveaux-nés. De les nouveaux, les bébés, les nouveaux-nés, de 0 à 2 ans et demi. Il y en a aussi? Non, maintenant, il n'y en a pas. Ah. Ils ne sont pas là. Mais ici, vous avez combien d'enfants, les petits, là? Les petits. Bon, il y a deux chambres de petits. Chez moi, j'en ai 7. Mais ici, il y en a 19. Oui. Donc, ça fait 26. Oui. 26 petits enfants. Oui. Oh là là. Et les grands enfants aussi, ils sont. C'est dans notre centre ici, nous avons 70 enfants. Les grands et les petits. Dites-moi un peu. Bon, on est un an qui sont guités. Un sac de riz ou bien un sac de semoule ici, ça fait combien de jours? Un sac de riz par jour. C'est petit, le sac de 25 kilos, oui. C'est ça que vous consommez par jour? Oui. Oh. Donc, comme on a apporté deux sacs de riz, donc deux jours. Pour deux jours. Mais le sac de semoule peut faire 3 jours. Le sac de semoule, 3 à 4 jours. Okay. Oui. C'est ce qu'on pouvait apporter. Mais à part ça, qu'est-ce que vous avez comme besoin ici? Bon, on a besoin de tout. De tout. On a besoin des habits, des seaux, des bassins. Donc, on a besoin de tout. Ok. Ça doit que Dieu fasse grâce. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la personne qui a fait ces gestes? Nous qui sommes venus avec. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Je remercie... la personne qui a fait ce geste, hein, que Dieu le bénisse beaucoup. Et merci pour vous aussi. Je merci. Suis content de vous voir ici. Je vous vois à la télévision. Ça fait déjà 3 fois qu'on est passé ici. Souvent, non. On vous retrouve pas. C'est vrai ça. Moi, c'est la première fois. Je travaille ici, mais c'est la première fois de vous voir. Je suis content de vous voir. Merci. Ce n'est pas encore fini. On viendra. On viendra passer. Peut-être avant les fêtes de Noël, on viendra encore. Ok. Merci. Saluez le pasteur de la foi. Pasteur de la foi. Oui. Ok. Merci beaucoup. Voilà, je pense que vous avez compris. Et regardez comment les enfants sont. Ils sont vraiment joyeux avec leurs biscuits. Et ça fait du bien comme ça. Et ce sont donc nos enfants. Ce sont donc nos enfants. Ils sont en train de jouer. Ça fait du bien. On va chuter. Et je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Kossi qui est venu avec nous, la personne qui a envoyé. Toutes ces personnes qui ont pensé faire un geste pour les enfants orphelins, tout ce que vous nous envoyez, et n'hésitez pas, envoyez et ça va parvenir, ça va aller jusqu'aux enfants et ça fera du bien. Parce que c'est comme nous avons fait un biscuit, nous avons fait un biscuit, nous avons. Merci papa, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour les orphelins. Dans mission Sunga Bapé Sarabiso, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, ainsi que notre frère Oazana Lyon a passé qui dans geste Oyo. On a colo bana papa Nabiso a passé dans geste Oyo. Papa, vous ne serez jamais déçu de la part de Dieu en faisant ce geste, le geste d'amour. Et comme l'est écrit dans le livre des Proverbes, celui qui donne aux pauvres, bah, vous n'allez jamais. Proverbe chapitre 28, verset 27. Nous devons supporter la vie sur le zango, au tangiango, au salibagesse et au. Tu verras que l'Éternel est bien consacré. Donc c'est ça, papa Rabbi. Merci une fois de plus. Et merci à notre frère bien-aimé, Coco Dema, qui est derrière les caméras pour prendre les images et les compagnons de lutte. On est ensemble et nous resterons toujours ensemble. Alors, on est là pour penser aux autres. Okay. Quand nous pensons aux autres, l'Éternel pense à nous car c'est biblique. Celui qui arrose, il sera lui-même arrosé. Wow. Dès que tu arroses quelque chose d'une personne, et l'Éternel prendra soin de vous. Okay. Et
vous serez arrosé. Merci beaucoup. Et là, on est venu penser à ces orphelins. Comme la Bible nous recommande, il est le père des orphelins. Donc, on est venu penser à ces enfants. Et certainement, il passera aussi à nous. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci vraiment à Bella Dinganga. Merci. Je vais présenter des souhaits. Le meilleur vœu à Maman Chimène depuis les États-Unis. Vaut mieux tard que jamais. Maman Chimène depuis les États-Unis. Vaut mieux tard que jamais. Bon anniversaire à toi, Maman. Chimène depuis les États-Unis et meilleur vœu. Et l'éternel Dieu est vivant. Et voilà, moi je pense à Nathalie MK. Nathalie MK depuis les États-Unis. Ariane Ochesco, je n'ai pas oublié. Ngalula Wetu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Coco Dema. Merci aux enfants. Merci à Fils Kinkel. Fiston Bassin de FB International. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. On est toujours sur Kilongo TV, une chaîne à 100% sociale.